Bonjour, je vais vous parler un peu de la formation d'Annelise Weber, créer son site d'auteur. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Bernard Favreau, je suis écrivain, auto-éditeur, et j'ai déjà publié deux romans. Le premier s'appelle La Croisière, et se situe au cours d'une traversée en cargo entre Anvers et Valparaiso, qui est le cadre de l'histoire. Et le deuxième, c'est Trois morts pour un fauteuil, qui se situe dans l'univers de l'entreprise, des luttes de pouvoir par entreprise. Les deux, j'ai essayé de les traiter avec humour. J'espère que j'y suis arrivé. Pour en revenir à la formation d'Annelise Weber, ce qui est important, c'est que la pédagogie m'a paru très bonne. Le premier point, c'est une formation clic par clic. C'est-à-dire que vous réalisez en même temps que vous suivez la formation et vous zigzaguez entre le site de la formation, le déroulé de la formation, où on vous dit, développez ceci, appuyez sur ceci, appuyez sur cela, et puis vous allez immédiatement le faire. Donc, surtout ne pas prendre de notes, surtout ne pas essayer d'apprendre par cœur, ça sert à rien. Vous le faites au fur et à mesure. Le deuxième point qui me parut très important, c'est que c'est une formation faite par un auteur pour des auteurs. Donc vous vous encombrez pas, vous n'êtes pas là pour vendre des chemises ou des cravates avec différentes encolures, différentes tailles, différentes couleurs. Non, c'est une formation d'un auteur pour des auteurs. Donc ça élague tout ce qui ne sert à rien pour vous. Voilà. En ce qui me concerne, est-ce à dire que ça a été sans difficulté? Alors, certainement pas. J'ai pas mal souffert, surtout au début, parce qu'en fait, j'ai abordé un univers que je ne connaissais absolument pas. Et donc, au début, j'étais assez tétanisé, on va bien le dire, un peu crispé. Et j'ai rencontré quelques difficultés au début. Et puis, au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'il y a une logique qui revient systématiquement. Et quand vous avez intégré cette logique, les choses deviennent de plus en plus faciles. Le deuxième point qui pose des difficultés, c'est que c'est un milieu très évolutif. Donc vous avez parfois l'écran qui est sur la formation n'est plus tout à fait le même quand vous allez sur votre tableau de bord. C'est pas très grave parce qu'en général, vous retrouvez vos petits, ce qui était en haut à droite est passé en bas à gauche, ce qui était concentré est étendu, ce qui était étendu. Mais de toute façon, si vous examinez bien, si vous laissez pas, si vous n'avez pas peur, vous finissez par retrouver vos petits et par y arriver. Bon, en ce qui concerne le résultat, qui est quand même important, j'ai mis 5 mois pour y arriver, parce que j'y ai travaillé petit à petit, mais régulièrement, il faut y travailler régulièrement, et j'ai réussi à créer mon site d'auteur, ce qui est quand même l'essentiel. Là où je suis satisfait, si vous voulez, c'est que c'est pas un site parfait, parce que je suis pas un homme de marketing, donc il y a certainement beaucoup d'améliorations à faire, mais en tout cas, j'ai réussi à traduire exactement ce que je voulais, c'était ça que je voulais présenter, ça ressemble à ce que je voulais, à ce que j'avais imaginé, donc j'en suis assez content. Le point qui est très important, c'est que ça donne, vous vous rendez compte, une grande satisfaction d'y être arrivé, quoi. Et enfin, maintenant que j'ai pénétré la logique, je peux le modifier comme je veux. Je peux en changer l'apparence, je peux introduire de nouveaux éléments, je peux en supprimer. J'ai besoin de personne, je suis totalement autonome et c'est une grande satisfaction. Donc, si vous avez l'idée de vous lancer dans cette aventure, dites-vous que moi je suis arrivé et il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas vous aussi et c'est très satisfaisant. Merci, bonne journée.